Bonjour et bienvenue à ce 41e chapitre de Lightroom, mais encore, on va parler des paramètres par défaut de développement et on va voir notamment comment les changer par appareil ou même en fonction des ISO qui sont utilisés. Alors, là je suis dans l'importation, ici j'ai quelque chose qui s'appelle appliquer pendant l'importation, mais je ne suis pas en train de parler de ça. Moi je suis en train de parler des paramètres que Lightroom met par défaut lorsque vous importez une photo, car Lightroom met des paramètres par défaut. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Je vais importer une photo, ok, c'est bon, importer. J'ai cette photo là, je vais en développement. Et en développement, vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, notamment ici au niveau de la netteté. 25, rayon 2.1, détail, j'ai la même chose ici au niveau de la réduction du bruit. Donc Lightroom a fait quand même certains choix, il y a des paramètres par défaut, notamment là par exemple, je suis en Adobe Standard aussi. C'est des choses que Lightroom a décidé parce que c'est dans les paramètres par défaut de développement. Comment on change ces paramètres? Ben, c'est assez simple, vous développez une photo, alors je sais pas, je vais baisser l'exposition, je vais la rendre beaucoup plus bleue, je vais augmenter les blancs, je vais faire quelque chose comme ça, ok? Et puis je vais aussi aller changer ici un paramètre, je ne vais pas être en Adobe Standard, je vais être en caméra neutre. Voilà, j'ai fait tout ça, très bien. Là, vous allez simplement appuyer sur le bouton Alt. Et là, vous avez définir par défaut. Alors, je crois que ça se trouve aussi là dans développement, vous avez définir les paramètres par défaut. Donc, c'est ce qu'on va faire, définir les paramètres par défaut. Et là, vous avez Lightroom qui vous dit, voilà, est-ce que vous voulez définir ces paramètres par défaut pour le modèle Canon EOS 50D, puisque là, c'est une photo faite avec un EOS 50D. Et je vais faire mettre à jour les paramètres actuels. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais aller réimporter des photos. Fichier, importer des photos et des vidéos. Je vais importer une photo toujours du 50D. Donc, je vais prendre, imaginons, la suivante, celle-là. Hein. Là, je vais désactiver les autres et je vais faire importer. Et là, j'ai importé ma photo et vous voyez que ma photo... Il a bien appliqué dedans les paramètres de développement que j'avais choisi. Caméra neutrale, avec la balance des blancs a été changée. Donc, comme ça, j'ai pu changer mes paramètres par défaut. Mais imaginons que j'ai un autre appareil qui ne réagisse pas de la même manière. Je ne veux pas forcément les mêmes paramètres. Alors, on va y aller, on va faire fichier, importer des photos et des vidéos. Et là, vous voyez que j'ai une deuxième carte qui est une photo faite avec un petit Lumix, un petit compact. Donc, je vais en prendre une. D'accord, et je vais faire importer. Et là, vous voyez que sur cette photo-là, il n'applique pas les paramètres. Pourquoi? Il n'applique pas les paramètres parce que ce n'est pas un 50D. Donc là, je pourrais très bien imaginer d'avoir ici au niveau développement, je vais faire quelque chose un peu à l'inverse, jaune, très exposé, c'est juste pour l'exemple. Hein. Et là, je vais faire Alt, définir par défaut. Et me dit, est-ce que vous voulez que ça soit les paramètres par défaut pour le format JPEG, puisque mon Lumix est en JPEG, modèle Panasonic DMC FX60. Et je fais mettre à jour les paramètres actuels. Donc maintenant, si je vais importer à nouveau une photo du Lumix, d'accord, ce que je vais faire, fichier, importer des photos et des vidéos, et je vais importer la deuxième. Alors, je vais sur mon Lumix et je vais importer la deuxième qui est là. Importer. Vous voyez qu'il applique les paramètres de développement que je viens de définir. Donc là, il a bien fait une distinction entre deux appareils. Ça, il le fait d'une manière native. Alors, imaginons maintenant que vous ayez deux appareils photo identiques, deux 50D, et que vous ayez modifié un des 50D pour faire de l'infrarouge. Donc, vous ne faites que de la photo infrarouge avec, vous avez retiré le filtre infrarouge devant le capteur, donc chaque fois que vous allez importer une photo, vous allez avoir un traitement particulier sur la balance des blancs ou ce genre de choses. Alors, comment Lightroom peut vous aider là-dessus? Vous avez ici un truc qui s'appelle édition, préférences, et dans les paramètres prédéfinis, là, vous avez valeur par défaut spécifique au numéro de série de l'appareil photo. Alors, on va cliquer là-dessus, on va faire OK. On va prendre une des photos du 50D, d'accord? J'ai les paramètres de développement là. Et on va retourner dans les paramètres par défaut, donc définir par défaut.
Et là, il me dit, voulez-vous modifier les paramètres par défaut utilisés par Lightroom et Camera Raw pour les fichiers de négatif avec les propriétés suivantes. Donc, vous voyez que là, j'ai Canon EOS 50D et il m'a rajouté le numéro de série. Donc là, je peux faire des paramètres par défaut pour cet appareil-là. Si j'ai un autre appareil, 50D, ben je vais faire un autre paramètre par défaut pour cet autre appareil-là. Donc vous voyez que vous pouvez faire cette distinction ici, ce qui est déjà pas mal lorsque vous avez deux appareils identiques. Et si on fait la même chose sur Lumix, donc je bibliothèque, je retourne dans toutes les photos, je vais prendre une des photos du Lumix. Très bien, développement, définir les paramètres par défaut. Et là, vous voyez qu'il ne me donne pas le numéro de série, simplement parce que sur ce compact, il n'y a pas de numéro de série. Donc si l'information n'est pas quelque part dans les exifs, Lightroom ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc ça marche pour des appareils qui ont évidemment un numéro de série intégré à l'intérieur, autrement ça ne marche pas. Alors maintenant, on va faire le dernier point, c'est les ISO. Alors les ISO, on va faire ça comment? Ben, je propose déjà de tout effacer. On va prendre toutes les photos, on va toutes les effacer. Hop. Et on va repartir sur une basse scène. Supprimer du disque. Allez. Et je vais déjà aller dans édition, préférences. Je vais virer le valeur par défaut spécifique au numéro de série de l'appareil photo. Et je vais cocher valeur par défaut spécifique au paramètre ISO de l'appareil photo. OK. Et là, je vais aller importer deux photos. Fichier, importer des photos et des vidéos. Je vais prendre les photos du 50D, puisque là, j'ai réglé les ISO. Sur le petit Lumix, c'était un peu plus compliqué. Et je vais prendre une photo à 200 ISO et une photo à 800 ISO. Très bien. OK, et je fais importer. Je passe en développement. Je prends ma photo à 200 ISO. Je vais la rendre totalement bleue. Hop là. Et très saturé. Voilà, imaginons quelque chose comme ça. Et là, je vais faire développement et je vais faire définir les paramètres par défaut. Et là, vous voyez qu'il me dit, voulez-vous modifier les paramètres par défaut utilisés par Lightroom pour mon 50D et 200 ISO? Puisque dans les exifs, il a vu que c'était à 200 ISO et je lui ai demandé de faire la distinction entre les ISO. Donc, il ne doit pas appliquer les mêmes paramètres en fonction des ISO qu'il y a dans l'appareil. Donc je vais faire mettre à jour les paramètres actuels, d'accord? Et je vais prendre maintenant ma photo à 800 ISO. Alors elle est où ma photo à 800 ISO? Elle est là. Et elle, je vais faire un développement totalement différent. Je vais la rendre jaune, voilà, complètement jaune. Très bien, ça me va. Et je vais à nouveau faire développement, définir les paramètres par défaut. Et là, vous voyez qu'il me dit pour le 50D, 800 ISO. Donc il a bien fait cette distinction ici au niveau des ISO et je vais faire mettre à jour les paramètres actuels. Maintenant je vais recharger des photos pour vérifier que ça marche, hein, fichier, importer des photos et des vidéos. D'accord, et je vais charger bah, les deux photos que je n'avais pas chargées, une à 200 ISO et une à 800 ISO. Puis on va voir ce qui se passe, importer. Donc vous voyez qu'il me charge les deux photos, puis il y en a une qui va me rendre bleue et l'autre qui va me rendre tout jaune quand il aura terminé l'aperçu. Voilà, donc vous voyez que j'ai bien réussi à faire des paramètres de développement par défaut différents en fonction des ISO. Donc grâce à ça, on a vu qu'on pouvait faire la distinction, j'irais naturelle déjà, que Lightroom fait entre le type d'appareil photo. Il ne vous fera pas le même développement par défaut entre un 50D et un Lumix, vous pourrez le régler facilement. Ensuite, on peut le faire si on a deux appareils photo de la même marque et le même modèle, on peut le faire par le numéro de série. Donc là, vous pouvez faire une distinction également et vous pouvez rajouter la distinction des ISO. Où là, vous pourrez, en fonction des ISO, faire des développements différents. Alors, pour les ISO, ça va généralement travailler sur le bruit et pas sur la balance des blancs comme je l'ai fait. Mais là, j'ai travaillé sur la balance des blancs pour vous montrer bien l'impact visuel. Puisque sur une vidéo YouTube, vous montrer l'impact de la réduction du bruit, c'est pas forcément évident. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.